à tout le monde, ici Nicotix22, voici donc pour une nouvelle vidéo sur mon bureau, mon PC. Mais aujourd'hui, ça sera les résultats des groupes pour la Coupe du Monde, comme vous voyez. Donc le groupe A, B, C, D, E, et en dessous, il y a le reste, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser tout d'abord en premier sur le haut du tableau. Donc le groupe A, Portugal, Serbie, République d'Irlande, Luxembourg, l'Azerbaïdjan. Donc pour moi, le Portugal devrait se qualifier facilement, facilement, sans rien. Voilà. Après, il faut respecter aussi les adversaires parce que Serbie et République d'Islande, d'Irlande, pardon, vous voyez tous de quoi je veux dire en parlant de l'Irlande avec la chanson emblématique qu'ils ont fait, le bordel qu'ils ont fait dans les stades, c'était magnifique, franchement. Donc pour le groupe B, l'Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo. Donc pour moi, c'est vraiment l'Espagne, franchement, qui devrait se qualifier sans problème. Donc pour le C, l'Italie, Suisse, Irlande du Nord, la Bulgarie, la Lituanie. Donc pour moi, l'Italie va se qualifier aussi très facilement. Attention peut-être à la Suisse, mais pour moi, l'Italie est favori 100% pour le groupe C. Donc pour le groupe D, la France. La France qui, eux, vont rejouer encore une fois contre l'Ukraine. Je pense que ça va être encore assez facile pour eux. Après, je ne vais pas faire de débat, je m'en fous. Parce qu'il faut quand même respecter qu'il dit que la France ne va pas perdre contre le Kazakhstan. On n'en sait rien du tout, mais personnellement, je les vois quand même assez bien favoris pour le groupe D. En parlant du groupe E, la Belgique en tant que Belge, donc oui, je m'en fous. Personnellement, je n'ai pas le seum parce que la France a gagné la Coupe du Monde, je m'en fous. Personnellement, la France a fait son match et je les soutiens à 100% parce que voilà. Ils ont fait leur match, etc. Donc je m'en fous, ils ont fait le match. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je vais pas commencer à me dire ouais non c'est dégueulasse, non, m'en fous. Donc le groupe E, la Belgique, Pays de Galles, République Tchèque, la Biélorussie et l'Estonie, pardon. Donc la Belgique rejoue encore une fois contre la bête noire. Pour moi c'est notre bête noire, c'est le Pays de Galles, donc très très attention, surtout que la Belgique n'a pas un noyau super jeune par rapport à la France. Donc personnellement, pour moi, je les vends déjà favoris pour gagner peut-être la Coupe du Monde 2022. Après avoir en Belgique, je suis belge, je suis 100% belge, mais si je dois choisir, je prendrais peut-être nos voisins français. Même si j'aimerais vraiment à tout cœur que la Belgique gagne au moins une Coupe du Monde, ça serait vraiment nickel. Donc pour le F, G, H, I et J, donc pour le groupe F, le Danemark, l'Autriche, l'Écosse, l'Israël, les Féroé et la Moldavie. Pour le groupe G, donc Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lituanie, Gibraltar. Par contre, je n'ai pas dit mon favori pour le groupe F. Donc pour moi, Danemark doit passer 100 fois avec peut-être l'Écosse ou l'Autriche. Le groupe G, Pays-Bas, je les vois aussi favoris, mais eux peut-être avec la Norvège ou la Turquie, parce que la Turquie, ils sont pas si mauvais que ça. La Norvège, pareil, avec en entendant le Erling Haaland, donc qui est vraiment monstrueux. Dans le groupe H, la Croatie, la Slovaquie, la Russie, la Slovénie, le Chypre et Malte. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu que Malte ne soit pas dans notre groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis déjà parti à Malte et franchement c'est un pays que j'adore. Et si j'aurais pu y retourner, ça aurait été 100% d'accord. J'aurais été même à pied s'il faut, parce que c'est vraiment un très très beau pays. Pour ceux qui veulent, je pourrais vous montrer quelques photos de Malte où vous allez sur le net. Franchement, c'est un super grand pays. Pas grand pays, mais c'est un super beau pays. Donc, pour le groupe H, moi, je verrais la Croatie et la Russie passer. Peut-être la Slovénie qui devrait peut-être passer. Je ne sais pas, mais moi, je la vois Croatie, Russie pour l'instant. Donc, pour le groupe I, donc l'Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin. Je pense juste qu'ils ont déjà fait le tableau à l'heure actuelle. Donc, avec l'Angleterre et la Pologne qui devraient passer. Pour le groupe G, donc l'Allemagne, la Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, l'Arménie et le Liechtenstein. Donc personnellement, pour moi, je verrais l'Allemagne passer avec un deuxième club qui pourrait être l'Islande. L'Islande qui est aussi une bonne petite nation. Donc pourquoi il y a des groupes avec 5 pays et d'autres groupes avec 6? C'est simplement pour
pas favoriser les clubs, c'est juste que en fait, Portugal, bah, il y a certains clubs donc dans du groupe A, B, C, D, E qui sont déjà en National League, donc eux sont déjà, on va dire, favoris pour passer. Par exemple, la Belgique, je sais qu'ils passent directement. Pourquoi? Je n'en sais rien, encore une fois, mais c'est ce qu'ils ont dit pendant le live de la Belgique. Donc, bah, pour moi, ça devrait être OK. Ici, j'essaie juste de retrouver un truc qui explique pourquoi ça fait ça avec 5 et 6 pays. Mais je ne le retrouve pas. Donc, en clair, je viens de vous dire en fait ce qui s'était passé et pourquoi on avait 5 et 6. Donc, c'est simplement ça. Donc, pour ceux qui veulent, bah, je peux vous faire des récapitulatifs de tous les matchs. Donc, personnellement, pour l'instant, je ne serai pas parce que la Coupe du Monde, comme vous voyez à gauche, c'est au Qatar en 2022. Donc, personnellement, j'espère être vite déjà en 2021 pour les résultats de la fin de la National League et en plus de la Coupe du Monde 2022. Donc, personnellement, j'espère que cette Coupe va se passer avec des supporters parce que pour l'instant, c'est vraiment la merde. Hein, je vous le dis clairement. Désolé, désolé, en plus, moi aussi, je suis malade. Je n'ai pas encore le Covid, mais j'ai attrapé une angine. Donc, soignez-vous, franchement, respectez les consignes par rapport au Covid. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nicotix22. Ciao, ciao.